Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'on est avec l'équipe TV Caraïbes depuis Mombasa Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous allons inviter à suivre déclaration député circonscription quartier Morien, député Esaïe Prophète. Député Esaïe Prophète exprimer regret li à cause li dit député ou en vacances sans pas travailler sous plusieurs documents tant que texte loi financement, loi électorale là, ak amendement constitution, li dit c'est quelque parmi document qui te constitué pilier travail député 50e législature là ta doué réaliser. Cependant parlementaire a dit ça qui un sentiment satisfaction l'a mettre bout dans mandat peuple quartier Morien te confié pour le gérer. Eh bien nous pas perdre du temps, n'a pas commencé coulier. Colla li l'ouvri déjà dans pile pays depuis dans 3e semaine du mois d'août. Ça veut dire, quand bien même nous avons en retard, de l'heure l'école là, tu as supposé l'ouvrir dans tout le pays pour permettre que élèves l'école, yo boucler yon cycle scolaire confortablement. Effectivement, il était annoncé pour deuxième semaine dans le mois septembre, l'école là, tu as supposé l'ouvrir. Traditionnellement, dans la première semaine l'école, tout élève n'a jamais vraiment tourné l'école. Mais année ça, nous devons faire problème. Nous devons faire face à un problème d'insécurité qui peut être dans la zone métropolitaine ou bien dans différentes zones. Tu as parlé réduit entre l'école là. Deuxième gros problème, c'est le problème de pénurie de carburant, gaz là qui cause un gros problème. Parce que le système de transportation scolaire là qui est édité n'est pas capable de garantir le transport de tous les élèves de l'école. Les écoles qui utilisent un peu le transport en commun et par le fait que n'y a pas de gazole ni gasoline. Il vient permettre à ce que non, c'est des problèmes économiques. Il y a des parents qui ne peuvent jamais arriver à joindre tous les moyens possibles pour pouvoir voir Timounio l'école à temps. C'est toujours peut-être dans la deuxième semaine ou bien dans la troisième semaine où on parle vraiment ouais, que l'école a l'ouvrir à faire subvention. Non plus l'État toujours bail subvention et d'autant plus l'État toujours bail des kits scolaires pour distribuer pour la rentrée des classes. Moi-même, ça fait 4 ans comme député presque, nous toujours. Sur que le ministère de l'éducation toujours bail pour l'entrée des classes, nous pas ouais problème non, c'est parce que pas un budget, pas un gouvernement vient permettre à ce que bagay soit perturbé. N'espérer que si tout quoi gouvernement arrive à passer au niveau du Sénat demain Dieu veut, un bon gouvernement qui est légitime, et me penser que premier bagay que y a bien pour statuer sous lui, c'est sur la question de subvention pour la rentrée des classes et surtout kit scolaire qui était toujours contre bail pour capable bailler. Deuxième aspect de la question, c'est départ parlement. Je pense que normalement, nous tous, en tant que députés, nous avons un mandat pour 4 ans, qui a fini le deuxième lundi du mois de janvier. Mais hier, qui était le deuxième lundi du mois de septembre, c'était fin dernière session législative. Je pense que nous avons un bilan qui est plus ou moins ni figue ni raisin. Ça dépend de qui côté vous campez. Vous pouvez penser que le parlement est bien travaillé ou bien le parlement n'a pas mal travaillé. Moi-même, l'homme évalue la quantité de propositions de loi qui votaient. Quantité projet de loi qui voté, quantité rencontre qui fait en commission, quantité de délégations qui fait par des commissions en différentes zones dans le pays. Moi-même, je pense que le Parlement, 50e législature, là, font un travail valable. Et surtout, en pile, moi, est-ce que la législature là travaille ou besoin de faire une comparaison? Elle fait une comparaison entre la législature antérieure, 49e, 48e, 47e législature, regardez pour la quantité de propositions et de projets de loi qui étaient votés. Pour finir, une meilleure idée, est-ce que la législature ça, est-ce que son législature qui travaille ou bien qui pas de travail? En peu de mots, seulement pour première année, 50e législature, là, pour bilan que vous avez bail pour l'année 2017, là, vous avez gagné 9 séances en Assemblée nationale, vous avez gagné 18 séances, vous avez gagné 45 séances plénières. Tu as gagné 7 propositions de loi qui t'es votées. Propositions de loi, c'est propositions qui fait par des députés. Tu as gagné 19 projets de loi que l'exécutif l'a soumis. Tu as gagné environ 13 propositions de loi qui t'es déposées par des députés, mais qui pour côté voté. Et gagné 72 rencontres qui fait en commission. Ça, c'est seulement pour la première année législative, là, 2017, un total de 26 lois qui étaient votées. Mais l'on garde dans sa globalité, en tout, 50e législature a voté 48. Il y a un rôle de catalyseur que le joue dans la société. Il joue un rôle de balance
au niveau du système politique là et parlement gan pile impact sur économie pays. L'argent qui est alloué pour la Chambre des députés et pour le Sénat dans le budget de la République là, c'est pas de l'argent qui vient joindre des députés. C'est de l'argent qu'al joindre des citoyens qui vivent dans la société là. Et ceci, chaque grain député li gon impact sur 100 grain citoyens. Exemple, il y a deux agents de sécurité. Yo tout yo marié, yo gen famille. On dit chaque agent de sécurité ça yo gen yon madame avec 4 6 moun. Ça a un impact pour 6 moun. Un bon chauffeur qui gen madame qui gen famille. Il y a 8 membres de bureau. Il y a 4 consultants. Ça veut dire l'ogade quantité moun k'ap travay seulement qui affecté à yon député et c'est des chèques que pa bay député, c'est des chèques que remet directement à moun sa yo. Ça veut dire sou gagner qui gon impact sur la vie 100 citoyens, le multiplier 117 députés par 100, il bon 11700 moun qui a vivre seulement de la Chambre des députés. D'autre plus gen le Sénat de la République qui gen 30 sénateurs et sénateurs gen plus moun qui travaille avec eux qui crée un impact. On aller encore sur l'institution qui c'est le parlement. Le parlement gen le haïtien, il gon impact sur entre 20 à 30 000 citoyens haïtiens. Ça veut dire l'on dit que le parlement est coûteux, c'est pas de l'argent qui vient dans poche député, c'est de l'argent qui gon impact direct sur ton qu'on peut faire des députés. Majeure partie du temps, députés c'est des professionnels. Gagné député Franck Clôture qui c'est ancien commissaire du gouvernement et mais pas dans parlement encore là toujours tourner à le professeur professionnel en tant qu'avocat. Député Cyprien Presse, gagné des députés c'est des avocats, des agronomes, des ingénieurs, des techniciens, des professionnels capables de vivre. Mais le que ou retire parlement, moun qui parle vraiment impacté hein, c'est citoyen ça. Et li clair, quand y a nous arrivé là en septembre, gagné des députés kay ki ote loué Port-au-Prince là, yo pa loué mettre kay là. Et ben ou bon propriétaire de maison qui va le perdre. Et mais si on remet kay là, c'est avant que ote gen dans kay là, gérant la cour que ote gen dans kay ça, on pas gen emploi encore. Gen des députés qui pas besoin des agents de sécurité encore, qui pas besoin des chauffeurs encore parce que contrat ou gen dans parlement fini au 30 septembre. Ça veut dire ou pral commencer bon niveau de chômage qui fait par le fait que le parlement existe. Voilà. Équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es cap tendre dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.